Et salut tout le monde, c'est reparti pour un épisode de Let's Build Maison Ultra Moderne, l'épisode numéro 9. Et on va donc attaquer tout de suite sur ce que j'avais dit à la fin de l'épisode numéro 8. Donc on va essayer, enfin ça on va y arriver, on va finir la chambre, on va faire la salle de bain qui est très petite, donc ça ira sûrement vite. Et après on partira sur autre chose, je ne sais pas quoi, j'ai même pas réfléchi. Juste... Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, j'ai rajouté ces petits pots, ces petites plantes ici. Ça sépare un peu plus l'espace végétal. Après, ça vaut ce que ça vaut. Je sais pas. Je trouve ça moyen. Mais au final, visuellement, je préfère. Parce que ça donne le fait d'avoir une petite séparation en plus. Bref. Vous me direz, sinon je le virerai. Si vraiment ça... Ou pas, je sais pas, on s'en fout un peu. C'est pas très important. Je vais faire un coordinateur ordinalol avec de ça. J'adore ces blocs de quartz, c'est un truc de fou. Mais non, on est sur un sol endominal. C'est pas très dérangeant. Si, ça va faire chier. Si, ça va faire chier. Enfin, ça va faire chier. Je sais pas. Le truc, c'est que ça fait soit trop bas, soit trop haut. Parce que j'aurais voulu poser un... Ouais. Et ouais. Et ouais, mec. Et ouais, j'aurais voulu poser sur un sol de demi-dalle, ça me fait un peu chier. Alors je peux toujours rajouter, par exemple ici, je peux faire ça. Mais je pense pas que ça va être terrible. Enfin, je sais pas, faut tester. Hein. Ça se trouve, ça va être bien. Même jusque là. Que dis-je? Bon là ça fait peut-être abuse, hein, ou en tout cas n'importe quoi. Bon par contre, histoire hiéroglyphe... C'est vrai que j'avais foutu l'autre, c'est pour ça qu'il y a hiéroglyphe, hein, ouais, c'est l'autre sans coupé. D'accord, ok. Bon c'est pas grave. Ouais, ça fait une petite estrade. Par contre c'est vrai que le côté hiéroglyphe me fait un peu chier. Attendez, je vais faire du replace. C'est du quoi, 24.1. Donc à mon avis, sur tout ce niveau-là... Replace 24.1/24. On voit pas beaucoup de différence. C'est normal, par contre là, on la voit. Ok. Ah, déjà, je trouve ça mieux. Hein. Les hiéroglyphes, bon... C'est un peu chiant. Bon, bah du coup, c'est pas grave, je vais faire l'ordinalol là-dessus. Mais dans ce cas-là, je vais... Le blanc sur la sandstone, c'est pas assez démarqué. Ouais, je vais faire en bois foncé. Et puis même, ce sera un bloc plein ici. Un bloc plein là. S'en fout un peu. Non ? Ce sera un bloc plein là. Alors, on va faire un ordinateur. Bon, faut pas que je perde du temps non plus, j'ai dit que je perds un temps fou déjà, 4 minutes, pour rien faire du tout. Donc, bim, enclume, alors ça représente une tour, c'est comme vous, hein, c'est vous qui voyez. Et on va se faire un petit siège en ça, parce que je trouve ça super cool. Je suis en train de me demander, oui, on mettra un petit écran, c'est pas grave, on va rester avec un petit écran. Donc tableau, on va prendre des items frame quand même, on va prendre un piston, pas du tout, un levier. Alors, un peu huge. Voilà, une belle bouche. Ok, la souris. Le clavier, on va se le faire en rail rouge. Je sais pas pourquoi, je trouve ça cool. Ah, c'est la souris. Donc du coup, ok, l'ordinateur, ça c'est fait. Dans l'esprit. Alors, on peut agrémenter quand on se met en sneak, pour pouvoir le poser, notre fameuse enclume d'item frame. Et moi, j'aime bien mettre... Alors, laissez-moi des idées si vous avez des meilleures idées que moi. À ce sujet, je fous des trucs comme ça. Voilà, genre l'ordinateur, quoi. Ah oui, et devant, je mets une porte.
Genre je mets une porte en fer, porte du PC pourquoi pas, puis là bon ça représente genre l'électronique dans un ordinateur, même si on le voit pas forcément. Enfin bon, ça vaut ce que ça vaut. Pas non plus l'idée de l'année. Bah on va le faire quand même. On se met un petit dossier en panneau. On se met un petit dossier en panneau, d'accord. Tac, comme ça. Tiens, remarquez le core bloc. Ah bah non, c'est Fera. Je suis con. Feraslan. Feraslan. Pro. Gamer. Voilà. Bonjour, monsieur. Donc, l'ordinalol, c'est fait. Ici, on pourrait mettre un tableau, parce qu'il faut bien mettre quelque chose, où on finit pas. Si, on va finir. Je vais mettre... Alors, attendez. En hauteur, ça me plairait plus. Quand tu veux, hein. Oh, putain. Bon, les fleurs blanches. Ouais, ça me plaît. J'ai envie de te dire ouais. Bah on pourrait se mettre un petit tapis là. Un petit tapis genre un petit tapis noir gris, noir gris marron, noir gris clair, noir gris blanc. Genre Oh mais genre non. Non mais genre un carré quoi en fait. Ridicule ce tapis. Mon dieu que c'est bilan. Ah bah avec le rappel de marron peut-être de tout à l'heure. Pas de tout à l'heure. De l'autre pièce. Je peux rien dire ce que je dis. Prends la tête sur un petit tapis. Vous savez quoi, on va pas se faire chier. Le noir je crois que c'était mieux. Noir marron. On va regarder ça comme ça. Bref, peu importe. Peu importe. Par contre, t'es pas obligé de l'amener aussi. Voilà. Ok, là ça, là je dis ouais. Alors la salle de bain, la salle de LOL. On peut se faire l'évier ici, enfin lavabo, baignoire ici. Baignoire en long. Du coup baignoire en bois. Pas forcément. Baignoire en ce que je veux. Pour mettre un petit peu de clarté, je vais foutre en ça. Ouais, c'est clair. Pourquoi je vais... Hein ? Tac. Comme ça. What's wrong with you ? Non, par contre, là, c'est n'importe quoi. Ah, d'accord. Non, mais c'est ce que je disais, ouais. Donc, baignoire en bois. Sinon, ça va être dégueulasse. Ouais, c'est dommage. J'aime pas trop, mais bon. Je change le sol, mais dans ce cas-là, il y aura une jointure dégueulasse. Ouais, c'est pas grave, on fait baignoire en bois. Hein. Donc ici, tac, je mets un fond. Là, par contre, je peux le mettre en blanc s'il faut. Ouais. Mon gravier, ça aurait été pas mal aussi. Replace 0 par 8. Ici, si je ne m'abuse, on peut y aller. C'est ça, de souvenir. Donc, on peut mettre un tableau ou de la végétation. Ou alors, on fait un tableau. Et ici, on fait un truc de végétation. Bon. Tableau, moi, ça me plaît bien. Ou alors... Non, ouais, tableau. Les cerises. Pas un paysage sympa. 4. Ouais, il est pas vraiment sympa. Je commence à me prendre la tête sur un tableau, on est pas sorti. Hein. Voilà, des cerises, c'est mignon pour la salle de bain. Système d'éclairage. Alors je... Ben, on va changer, hein. On va revenir sur du truc à l'ancienne. Ça fait pas de mal.
Ouais, on va se faire de l'escalier en mode jungle. Et on va se le mettre comme ça. Non. Non, finalement, non. Pas comme ça. On va se le mettre comme ça. Je pense que ça va être mieux, ouais, dans ce sens, c'est clair. Voilà. Ça fait longtemps, ça, un petit système comme ça. Faut peut-être faire un évier. Alors là, ça va être conceptuel. Ou alors je le fais... Ouais, non. C'est pas grave. Donc genre, ça va être un peu bas. Alors. Profitons-en pour ajouter de la lumière. Le problème, c'est que... Bon, bah, ça va être évier, vraiment... taille basse, quoi. Ça peut être sympa, je sais pas. Oui, ça va le faire. Je peux faire mon système de miroir. Enfin, mon système de miroir. Bon, évidemment, ça marche que sur le serveur. Puisqu'il faut le plugin NoMelt. Pas du tout, c'est pas ça qu'il faut jouer en main. Ouais, le plugin NoMelt, parce que c'est de la glace devant de la glowstone. Hein, donc ça... Voilà, c'est le côté miroir. Après, pour ce qui est rangement... Enfin, je pensais à un truc, là, que Kata avait fait. Qui était super sympa. C'est incruste lol dans le mur. Par exemple, vous voyez, alors, enfin, je vais vous montrer. Enfin, je vais vous montrer. Kata fait ça sur une de ses maisons, ça rend super bien. De part et d'autre, on prend de la glowstone. On fait ça même. On prend le bâton de la muerte. Qui est là. Je le mets là. REPL. REPL, on fait n'importe quoi, on s'en fout. Là, je vais aller check une canne à sucre. Ça va mettre un petit côté végétal viteuf dans la salle de bain qui peut être sympa. Alors, il faut commencer par le... Je suis con, je le sais en plus, il faut commencer par le haut. Voilà. Voilà, ça fait un petit truc en plus. Hein ? Voilà, c'est sympa. Par contre, petite étagère, ou style étagère, en quoi, en bois, en blanc, ouais, c'est pas terrible, hein. Je vais foutre un robinet quand même dans la salle de bain, ou deux, alors du coup on se fait ça comme ça, et on se prend du levier, ouais bon on va se faire la technique... Du coup, commencer par le levier. Tac, tac. Et un bloc de laine rouge et un bloc de laine bleu. Quand tu veux. Voilà. Par contre, ça fait un peu trop de verre quand même. Je crois que ce mur, c'est vraiment la touche de verre en trop. Replace 35.5, du coup on peut mettre un... Si on remet un côté minéral, franchement moi je trouve ça déjà mieux. Ah ouais, d'accord, ça fait sauter le merdier. Bon, soit, c'est pas grave. Non, faut commencer par le haut. Oh, l'endive. Oh le boulet. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Ah là, c'est vrai. J'ai cliqué dessus à un moment, je crois. Mon dieu, le boulet. Alors, on se met cette fameuse canne à sucre, et après, je pense qu'on est pas mal au niveau de la salle de bain. On va laisser ça comme ça. Bon, là, je peux pas mettre de robinet. Oh, c'est pas grave. Y a pas de chiotte chez Ferra. T'iras pisser chez moi, Ferra. Je suis désolé, c'est vrai que j'ai pas pensé. Ouais. Donc ici c'est bon, j'ai commencé l'épisode à... Je pense qu'il me reste 10 minutes, voire un peu moins. Mais écoutez, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Donc on va dire que les appartements de Ferra sont finis. Sa terrasse privée directement là n'est pas faite, hein, du tout, hein, table, barbecue, tout ce que tu veux. Ça viendra dans des épisodes d'extérieur. Mais dis donc, ça peut venir tout de suite même, pourquoi je partirais sur autre chose? Eh ben oui, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ici, on va te faire le coin où tu manges.
et on va faire ça en rustic style. Alors soit en bois. Soit en bois. Alors soit en blanc parce que j'adore vraiment ces escaliers blancs posés. Allez, en bois foncé. C'est vendu. En bois foncé et on a la place de faire un truc sympa de part et d'autre. On se fait une grande table. Ou alors je te fais une table complètement minérale entre guillemets. Non. Du coup ça fait une master table de 3-4. Ouais, ça fait une grande table, mais bon. Finalement, ça peut être sympa. Ici, eh ben, on va se faire le système d'éclairage. Donc, je parle pas trop. Hein. Désolé, je suis un peu concentré. 7 est crevé aussi. 7,89. Alors là. Soit on met des blocs. Putain, c'est pas con ça. Soit je mets des pistons. Parce que c'est des blocs transparents. Piston collant, non, c'est dégueulasse. Regardez, on met la nuit. Le piston est un bloc transparent. Donc vous voyez, le flux lumineux sera pas coupé. Par contre, j'aurais bien aimé les mettre dans l'autre sens. Ça fait un côté pierre un peu au milieu. Et comme ils sont transparents, c'est l'avantage, ça laisse passer la lumière. Et ça c'est sympa. Par contre, je vais galérer à poser des trucs dessus, mais dans ce cas-là, je vais utiliser du replace. J'aurais bien posé genre un pot de fleurs ou deux sur la table, donc on va faire le test ensemble. Ça va vous faire... Pour ceux qui auraient loupé la technique que Kata a montré dans l'épisode que j'ai fait avec lui sur les Tricks World Edit numéro 2. Donc sur un piston, vous avez bien compris qu'on ne peut pas poser de pot. Donc il y a la technique, soit hein, vous faites ça, on va dire que dedans je vais mettre, j'ai mis un ce truc, merde, la baguette que je garde, tac, comme ça. Alors, soit vous utilisez la baguette, donc là ça veut dire que à chaque fois que je vais remplacer un bloc, par exemple comme ça, hop, allez, c'est pratique, hein. Soit vous faites du move. C'est-à-dire que vous sélectionnez tout votre pot et puis faites move one sur le one left. Et en l'occurrence, ça leur a déplacé. Bon bref, là je vais utiliser la technique de Kata, qu'il a montré dans l'épisode, avec replace bâton. On va mettre des assiettes. Ça, pourquoi pas, on va mettre des assiettes assez claires. Donc, pour faire la petite nuance, du coup, on plaque de pressure comme ça. Ah, j'aurais dû faire l'inverse. C'est pas grave, on va faire maintenant. Ça fait con si je fais toute la table. Ça marchera surtout. Ah oui, non, mais déjà c'est sûr que ça marche pas, ouais, à côté. On va mettre qu'au milieu d'ailleurs, je pense que c'est plus joli même. C'est juste, je pense que c'est plus joli. Voilà. La question est, je mets des chaises. Ouais, ça peut être pas mal. Alors des chaises en... J'ai envie de garder des chaises encore en... En ça. J'aime bien. Un petit coussin bleu, c'est rigolo. Tac et tac. Je sais même pas si je mets des dossiers. Même pas envie de mettre de dossier, monsieur. Est-ce que là, je laisse ici en sandstone cette zone là? Putain, mais. Si ici je fais replace 24 par exemple. Sympa, la stone du 43. Genre, voyez ça comme ça. Et par contre, du coup, je me retrouve avec un truc que j'aime pas trop. Bon, déjà, ça, je rajoute une ligne parce que j'ai envie.
ici. Donc, du coup, je rajoute une ligne aussi. Je trouve ça assez sympa. Par contre, c'est vrai que c'était centré sur la table. C'était quand même mieux. Ouais, bah dans ce cas-là, en fait, on s'en fout un peu de ce que je viens de faire. Ok, on change de technique. J'en mets du jour. J'aime beaucoup, moi, ces pots, pour délimiter certains espaces. Alors, attendez, le truc, c'est que j'essaye de réfléchir quel espace je vais délimiter avec quelle texture. Ben juste ça, c'est pas mal, finalement. Ou alors, cette partie-là, non. Ben écoutez, on va faire ça comme ça. Alors, le pot, je l'ai, le caclol qui est là, et un peu de feuilles. Tac, comme ça. Et donc, on va faire quelque chose... Non, là, par contre, je vais partir de... De là. Et là, on laisse un passage. Ça peut être sympa. C'est pas sûr, mais ça peut. Donc là, on met nos fameux cactus sur tous les pots. Et après... Et après, vous décidez de la hauteur. Alors, 3... Bon, ça va être naze, hein, parce que ici, on a un sol... On a un plafond de middle bass. Donc, 2, c'est bien. Ouais, il s'est délimité un peu le délire. Alors, ici, c'est pas spécialement indispensable. Je pense pas. Après, par contre, je peux rajouter peut-être... Alors attendez, je teste. Replay Zone 443 ici, juste. Je vois si c'est pas ridicule de faire ça quand même. Parce que du coup, il n'y a pas trop de cohérence là. Undo. Et si je le fais juste comme ça, c'est pas non plus l'idée de l'année. Ça, on est d'accord. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Je ne sais pas, j'ai pas d'avis. Par exemple, ça délimite un peu l'espace. Voilà, on mange ici. Un peu séparé, accès piscine. Ici, on peut faire un water feature. Ça pourrait être sympa. Et d'ailleurs, même, on pourrait le faire à niveau. C'est-à-dire, par exemple, 7-0. Ouais, bon, il me reste combien de temps, là? Presque la fin, je crois. Si vous trouvez que je suis un peu mou, hein, au niveau de la voix, vous avez raison. je réfléchis. Par contre, ici, on pourrait peut-être... Je teste un truc. Je vais le réduire un peu. Je vais prendre de la demi-dalle. De sandstone. Où est-ce qu'il est, cette bilaine? Faire une petite bordure. Ouais, ça peut être pas mal. Est-ce que si la bordure dépasse, ça peut être cool aussi? Même ça peut dépasser plus. Ça se trouve, ça peut être bien. Passage de 3. Pas trop d'avis. Attendez, je regarde visuellement ce que ça donne. Si, ça peut être sympa. Ça fait un truc comme ça. Ouais, ok. Donc là, ça nous fait quelque chose de comme ça. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, est-ce que c'est peut-être pas mieux finalement? Bon, bref, soit.
On se met un fond. J'aime bien les gravelards. Surtout avec le flow. On se met de l'eau. Ouais, ok, on se met de l'eau. Replay 0 par 8. Je vais mettre de l'herbe ou du sable, on s'en fout un peu. Question de goût. Donc de la canalole. Genre. En fond là, comme ça. Un petit truc ici. Peut-être faire. Un petit truc comme ça ici. Et là. Ouais, on va faire ça comme ça. Canne à sucre. 3 1 2 3 1 2 3. Ouais, par exemple. Ensuite, j'aurais pu me prendre du lily pad, de ça qui est bon. Enfin, un peu de végétal lol. Ici. Ici. Comme ça. Par exemple. Et bien sûr, un petit peu de glowstone pour y voir quelque chose. Parce qu'il faut pas déconner. Hop, on va en planquer une ici, on va en mettre une là et on va mettre du lily pad. Ouais. Et on va mettre du lily pad. Un peu partout. Par exemple comme ça, on va mettre la nuit pour voir si au niveau éclairage on est bien. Bon, il faudra rajouter des éclairages. C'est certain. Des éclairages... avec peut-être du beacon incrusté pour faire des petits chemins, des petits passages. Il y a un truc qui me fait chier quand même ici, au niveau de ce... Je me prends la tête un peu pour rien avec ces textures. Mais bon. Il y a un peu trop de sandstone un peu partout, je trouve. Ça vaut ce que ça vaut. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié donc ce 9e, je ne sais plus, épisode de Let's Build de maison ultra moderne. Donc là, en théorie, à une vache près. Et d'ailleurs, la vache près, je vais peut-être le faire là. C'est qu'il manque peut-être. Donc déjà, ça c'est con. Il manquait peut-être un petit peu de lumière ici. Mais on va pas pouvoir faire grand chose. On va pas pouvoir faire grand chose. C'est ça qui est dommage. Ce truc que je pourrais faire, c'est à la rigueur vous mettre une glowstone comme ça avec soit un tableau, soit une trappe d'or. C'est pas non plus l'idée de l'année. Faire un peu d'éclairage en plus. Pourquoi ? Ouais. Bref, en théorie, on a fini les appartements privés de Ferra. Ça c'est sûr, il nous restera à mettre des chaises longues, des barbecues, des trucs dans le jardin. Peut-être faire le barbecue là avec une autre table, non, ou le barbecue plutôt ici, peut-être que je vais virer cette plante, faire le barbecue là. Je ne sais pas, ou ici, bref. J'espère que vous avez apprécié donc cet épisode, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Minecraft. Ciao tout le monde.